Les gars, c'est le vlog 2023, le premier match de la saison 2023. Bah forcément parce que la nouvelle année vient de commencer. Les gars, c'est de la folie. On a joué au coteau. Si tu joues toi en départemental ou alors tu joues un peu plus haut niveau, région, national, peu importe. Les vidéos que tu vas voir là, quand je vais avoir les points positifs, les points négatifs et les analyses que je vais faire de mon match vont te servir également pour progresser et puis pour aller de l'avant, pour voir des petites choses aussi. C'est important, peu importe finalement ton niveau. On n'est pas là pour juger un niveau pour un autre ou je sais pas quoi. Non, on s'en fiche. Tout le monde peut progresser. Moi, des fois, j'ai des petits des U15. Juste en les regardant, je vois qu'ils font certains mouvements et je les reprends. On peut apprendre de tout le monde. Ça, c'est voilà comment moi je le vois en tout cas. Ça, c'est sur les vlogs. T'as aussi des tutos sur la chaîne YouTube quand tu as des choses un peu plus compliquées. Et tu as également un Discord où là, c'est un forum qu'on a créé tout simplement où, suivant la catégorie où tu as besoin, que ce soit pour le dribble ou des choses que tu te sens pas à l'aise, ça soit pour le mental ou autre petite chose compliquée, même quand tu es arbitre, coach ou autre, il y a des rubriques pour chacun, donc t'inquiète pas. Si déjà tu t'identifies là sur les quelques paroles que j'ai pu te donner, alors abonne-toi parce que ça veut dire que c'est une chaîne déjà qui va te plaire où tu sais que quand je vais te lancer un contenu, ça va pas t'embêter. Donc tu sais que déjà on est au bon endroit. On est au bon endroit et on est au bon endroit. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais sans plus attendre les gars, on part sur du vlog et reste bien jusqu'à la fin parce que il y a des petits mouvements pimentés. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop. C'est qu'on est en pleine phase où on travaille les jambes. Alors les jambes, pas mortes, ça va parce qu'il y a la récup et tout qui est pas mal. Mais voilà, on a les jambes assez lourdes et ça se ressent. Donc je suis pressé de plus trop les avoir. Voilà, c'est tout simplement juste vous dire ça. Là, vous allez voir que j'ai coaché donc les U15. Donc je coach d'habitude aussi. Là, ce matin, j'avais coaché les mini baskets. Donc ça me faisait trop plaisir de revoir les petits loups, franchement. Et avec la bonne humeur et tout, ils étaient contents de me dire les cadeaux qu'ils avaient eu à Noël. Donc moi,
moi j'étais content également de les rencontrer. Et puis on a aussi mes U15 hein, que je suis depuis 5 ans. Il y a d'ailleurs un joueur qui joue avec nous où quand je suis arrivé à Poligny, en fait j'ai coaché, maintenant il est avec moi, donc ça c'est trop cool. Et puis voilà, donc là c'est mes U15, on coach ça, donc c'est ce que vous allez voir au début. Et puis après on va commencer sans plus attendre le vlog et puis l'analyse du match. Et n'oublie pas que on a aussi le programme Dunk qui est sorti, d'accord, je vais pas te bassiner avec ça, mais au moins si ça t'intéresse pour sauter plus haut, augmenter ta explosivité et pouvoir jouer plus haut aussi également grâce à tout ça, écoute, je te mets un lien dans la description. Sur vraiment ce qu'on a dit dans le vestiaire, ok, l'aspect défensif, on accentue énormément sur ça. Parler, l'aide et autres. Il y a des temps chauds, des temps moins chauds. Donc ça, on doit le savoir, mais aidez-vous parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Il y en a qui débutent, il y en a qui sont là depuis longtemps. Donc vraiment, le ballon, il est loin, je répète. On décroche beaucoup plus, mais on décroche pas sur une attitude où on se met debout. On décroche sur une attitude où on est fléchi et on vient plus dans les aides. Ok, avec une attitude, les bras et autres. Ok, et moi, je vais plus vous juger sur ça. Ça, c'est nos objectifs sur la deuxième mi-temps. Ok, tout ce qui était avant, on le continue sur votre jeu. Passer les ballons très bien, faire des bons choix comme ça, on le continue. Je compte sur vous, on s'éclate hein, quand même. Petit Messi ! Ensemble ! Yo les gars ! Let's go ! Regardez, j'ai qui là ? J'ai mon chauffeur ! Lui maintenant, ça y est les gars, il est les joueurs, chauffeur, coach, il fait les sandwichs ! Il fait tout ! Allez, bon repère ! Il a pas lavé mon slip par contre. Bon les gars, ouais, là ça y est, on a deux minibus, là c'est le départ. Là les gars, c'est après les vacances et fêtes de Noël. Voilà, le cardio, c'est juste qu'il manquait un petit peu. Après au niveau du physique, ça c'est bon, on a travaillé pendant toutes les vacances. Donc ça, je me fais pas de soucis, je pense. Et voilà, après c'est tout ce qui est physique, cardio, au niveau du dribble, parce qu'on a gagné beaucoup en explosivité et autres grâce au programme d'ailleurs. Et du coup, il faut que le dribble suive. Donc je pense que cette semaine, on va y retravailler un petit peu de dribble. Et suite après dribble, un peu de shoot, on va y retravailler ces petites choses-là sont importantes. Et puis on va avoir un petit peu de cardio aussi pour moins galérer sur certaines choses. Donc les gars, let's go. Là voilà, on part, on va déjà allons chercher les gars. Et puis voilà, à l'entraînement on était on était ce qu'on était quoi. Comme d'hab, vous savez, lundi on avait des joueurs qui étaient déjà pas là, le mardi on a réussi d'être complet et le jeudi il y avait des joueurs qui étaient encore pas là, mais bon, ça va s'arranger je pense. On joue où déjà? Le Coteau, mais c'est après Lyon? Non, c'est après Mac, c'est entre Mac et Clermont. Ah oui, ça n'a rien à voir, si? Ah ouais, moi tout le monde me demandait. J'ai dit ça. Putain. On se dire. Ok, let's go! Putain. Allez, lui, il a fait la Mumba toute la night, lui. Hein. Putain, les gars. Et là, nous avons. Non. Effectif réduit. Oh là là, lui il a déjà le genou enflé lui. Ça va ou quoi? Et toi? La forme? La jeunesse. Que jeunesse se fasse. Tu mets juste dans la couche. Avec une voiture comme ça, tu peux. C'est pas une voiture, c'est un camion. Ah bah Kevin! Eh! Pourquoi? On a mal, tu vois. T'as pas l'impression que. Oh! Eh ben moi on m'a volé ma montre. Oh! Bon, ça champion. Allez chef. Oh, là on le laisse passer. Oh là la coiffure. La coiffure. Dégradé tech tech. Salut. Ça va? La forme? Dégradé? Dégradé là. Rien de dégradé. Ah non, y a pas de dégradé, j'ai eu peur. Il vient frais. Chemise, pa pa pa. PJBC. Ah les chaussures rouges. Elle brille. Bergonici. Ça c'est plus les soirées après les matchs à Poligny, il sait maintenant. Ah, il sait. Il sait. C'est un après... petit village comme le Coteau, il sait qu'il y a des. Ouais. Il y a du vin chaud. Les gars. Ouais, les gars, regardez. Mon chef. C'est qui ça? Comme les enfants. C'est qui ça? Il est tout beau. Il vient de se réveiller. Oh, mon chef. Alors. Il était au 10:55 en train de faire du trampoline. Chef, on va casser le dos. Ok, un bisou. Bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé. On m'a décollé les bronchies. Il est.
Mais gros, il m'a tapé dans le dos, gros, comme ça. Ah ouais. Il m'a décollé un truc. Là, let's go. Première attaque, on a le ballon, on n'hésite pas, on drive, d'accord. Boum, on arrive, donc voilà. Donc là, j'aurais limite pu aller dunker, mais non. Donc là, hop, passe au grand qui shoot directement, donc il provoque une faute, il me semble. Ah non, même pas, c'est pas sur celle-là. Ou voilà, ils se sont... Ouais, moi, je crois que c'est celle-là. Ou même les joueurs en face, le coach commence à péter un câble d'ailleurs, mais voilà. Donc là, hop, j'attaque, petit shoot comme ça, ça rentre, hein, voilà, retour des fêtes, on va pas se prendre la tête à faire des choses. La petite création de shoot, tu vois, hop, c'est trop tendu, donc faire attention à lever son ballon. Et pour ça, pour s'entraîner, bah, il va falloir aller s'entraîner hein, pendant la semaine à, voilà, ces phases d'attaque, dribbler, shooter, pour lever bien son ballon. Là, je shoot, bon, ça rentre, hein. Ne dites pas que c'est de la chance, ne dites surtout pas ça, les gars. Là, voilà, petit shoot de notre Ludo, lui qui a été bien à droite ici, malgré ses douleurs au genou. Là, on drive en plein dans l'axe, en belle petite finition. Là, tu les regardes et hop, il se bagarre les grands dadés. Et là, il arrive. Oh, si j'en prends un, pour taper sur l'autre. Je veux pas le savoir. Non, bref, voilà, non, mais c'est marrant quoi. Ils se prennent la tête alors qu'ils ont, je sais pas quel âge. Alors, bon, là, petite attaque, pareil, boum. On vient chercher une faute, donc on prend, on essaie, en fait j'ai essayé d'aller chercher un contact fort pour pouvoir me décaler parce que là j'étais ric-rac. Donc là j'ai mis que 1 sur 2. Là, petite attaque, donc là, donc ça, ouais. Là, le, bon, le cross, c'est bien, on en voit un peu tous les jours. Je suis content, mais regarde, la finition, on en parle, chef. On en parle du airball, gros. On en parle. C'est, voilà. Alors moi j'aurais bien voulu avoir la faute derrière parce que je me dis que l'autre il me tape le bras, je sais pas si vous l'avez vu, mais bon, c'est bon. C'est pas grave, c'est la reprise, hein. On sort tout juste des raclettes, donc voilà, on va pas se prendre la tête. Hein. Mais voilà, là, hop, il prend son shoot. Voilà, il a, l'autre, il est loin, donc ça, c'est cool. Il, bon shoot. Là, on passe la balle dans l'axe, qui repart sur le côté, donc il me semble sur Kevin, qui a de l'espace pour tirer. Il se dégaine un tir, donc ça, c'est cool. Il était à droite, je crois qu'il a mis 4-3 points dans le match, donc ça, c'est vraiment bien. Ludo, hop, qui hésite pas à remettre derrière, bon esprit défensif. J'essayais de retravailler mes jambes, me remettre à retravailler mes petites fibres et tout ça. Voilà, sur ce premier match, hein. Donc je me forçais à défendre, même si je pouvais ne rien faire. Mais non, non, faut se forcer, faut défendre, surtout ce match-là. Là, le flotteur, vous le connaissez bien, ça me permet d'avoir une faute. Je mets que 1. Vous avez vu, ça fait deux fois où je mets que 1 sur 2, donc les lancers francs à corriger. Là, je fais un shoot à 3 points. Et il me tape, donc j'ai eu 3 lancers, et puis j'en mets 4, donc ça c'est pas bon. Là on passe la balle à l'opposé, mais en même temps on a une faute, donc ça c'est cool, toujours 1 sur 2. Allez, lancer franc, c'est pas très bon quoi. Pas très beau là, Johnny. Là j'attaque fort, petite passe, clac, t'as capté. Ouh, là c'est chaud. Là Delta, c'était soirée passe. C'est pas, hop là, passe Bumba. Là il a shooté, le rebond, ça fait plaisir. Donc toujours être au rebond, hein, quand tu peux, peu importe si t'es grand, petit, hein, si tu peux avoir une balle. Là, je suis opposé, je demande, je l'ai pas, mais j'applaudis quand même. On ne fait pas une tête de vénère comme certains peuvent faire. Faut encourager. Donc ça, voilà, ça c'est cool. J'étais content qu'il marque. Là, derrière notre gars, il marque. Et là, il touche le filet, ce qu'à la dernière fois, il avait eu du mal. Là, j'attaque. Non, il attaque, pardon, il shoot, mais, et il a eu une faute bien avant. Et il met, lui, par contre, tous ses lancers. Donc ça, c'est cool, bien à droite. De toute façon, ici, on a la balle en bas pour notre François qui attaque, j'attaque. Je vois qu'il y en a un qui est tout seul, on lâche. Derrière, ça tourne. Et bon, ça met dedans, donc ça, c'est cool. Et puis, dans le bon timing, tout ça. Là, pareil, bon, cette petite attaque, là, je l'ai souvent, ces ballons-là. Et puis, là, on lâche à l'opposé, on attaque. Là, voilà. Donc c'est bien, j'ai beaucoup lâché à l'opposé, j'ai beaucoup de situations comme ça, donc ça c'est cool parce que faut les voir quand on va attaquer, quand il faut donner ton ballon à l'opposé, et c'était des petits trucs à corriger, vous rappelez-vous, en 2022 sur certaines phases. Donc voilà, là il shoot, vous avez vu, donc il est notamment bien à droite, hein, bien à droite, là en attaque, bon ils défendent pas trop. Donc voilà, donc là j'avais un lancé mais je ne l'ai pas mis, donc je ne vous l'ai pas mis directement là. Mais je vous le dis quand même que vous ne demandez pas pourquoi. Donc voilà. The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps
ears bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. Ouais, les choses positives, négatives, déjà je suis revenu des fêtes les gars, entier. Non c'est pas mal, c'est une victoire, on a gagné de beaucoup, il me semble de 30 points à peu près. Donc voilà, donc faut savoir c'est une équipe qui est tout en bas du classement et nous on est en haut du classement. Donc voilà, déjà à prendre en compte. Dans la globalité on a attaqué fort dès le début et on a défendu fort dès le début. Et ensuite le cardio est vite revenu à la raison et hop on s'est recalmé. Et puis après on a essayé de rejouer bien correctement sur certains trucs. Donc voilà, après sur... Ce qui est bien et pas bien, bah pas bien c'est que les systèmes on les a pas forcément joués jusqu'au bout. Et ça c'est pas bon et c'est pas cool, surtout sur un premier match où quand on va jouer contre Clermont, là le match suivant, bah on aura besoin de jouer jusqu'au bout des systèmes pour avoir des solutions. Que là bon forcément il y avait des solutions directement, mais je pense qu'on n'aurait pas forcément dû jouer dès qu'il y avait une solution directe. Après c'est compliqué parce que c'est en match, t'en... Enfin voilà, t'as envie de retrouver tes sensations aussi. Mais voilà, ça à prendre en compte. Il faut voir un petit peu ces erreurs-là et il faut pas les passer. J'ai su en tout cas, dans ma part, varier. C'est-à-dire que tu as vu, j'ai eu mes shoots à 3 points. Peu importe que je mettais ou pas, bah, c'est parce qu'il y avait une... C'était un choix, il y avait resté tant de secondes. Boum, bah là, fallait shooter, j'ai shooté. Derrière, j'ai essayé de driver. J'ai mis un petit drive, les gars sont vraiment loin où c'est bourbier, il n'y a personne à l'opposer, petit shoot, donc ça c'est bien d'avoir vu ça. Derrière attaquer, j'ai su y aller pour mes doubles pas, derrière attaquer, il y avait trop de monde, on a su relâcher, pour essayer de relâcher la pression, parce qu'on le sait, comme des équipes comme qu'on va voir prochainement, bah au début ils se disent, bon lui le 4, faut l'arrêter, donc faut être intelligent, c'est pas là qu'il faut attaquer, t'attaques. Comme tu peux, tu fais genre que t'es dangereux, tu fais des petites passes à tout le monde, et puis à bout d'un moment... Et quand il faut, et que tu vois que la défense a relâché, bah là tu les attaques et tu leur rentres dedans. Et forcément, voilà. Donc peu importe, ça c'est bien, même quand tu as un joueur ciblé, ou alors que tu as du mal, bah c'est pas grave, faut avoir tout ça en tête. Maintenant, ce qui reste à travailler, qui fait pas peur, mais que cette semaine on s'arrache pas, enfin on se démotive pas et on va y aller à fond, c'est on va retravailler bien le haut du corps, et être beaucoup plus percutant, explosif sur... Les passes, les shoots, dégainer un peu plus vite. On n'oublie pas que c'était des erreurs qu'on avait. Donc là, il faut dégainer un peu plus vite, vraiment. Et puis, avoir son petit shoot au niveau des lancers francs, d'accord, qui permettrait d'être encore plus dangereux. Et puis que la défense permettrait de relever sur moi et pouvoir passer plus facilement. Ça, c'était le petit briefing. Voilà, maintenant, vous savez comment je vais entamer la semaine. Ça sera dans le vlog prochain où je vais vous montrer ce que je bosse pendant la semaine. Donc, j'espère que vous serez présents. Là, ça va être un gros match. Contre Clermont, donc c'est un match à pas perdre, on joue là-haut, voilà, et puis après on va s'amuser quoi déjà, hein. On va s'amuser, et puis voilà les gars, j'espère que vous, ça s'est bien passé votre match, j'espère que vraiment vous avez taffé un maximum, dites-moi en commentaire, et s'il vous plaît, bah, c'est très important, est-ce que vous avez travaillé le basket pendant les vacances, oui ou non, on va voir les flemmards, mais ne mentez pas, dites-moi vraiment dans les commentaires, les gars, on se rejoint pour le prochain vlog. C'est dans une prochaine vidéo et tu sais que c'est les lundis à 19h, alors j'espère que tu seras présent. Les gars, à la prochaine et surtout, crossez les gens et surtout si tu peux, dunk en match. Ça, c'est le plus important selon moi. À la prochaine les gars.